Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Cities Skylines. Aujourd'hui on se retrouve pour continuer à essayer d'améliorer un peu notre petite zone. Alors je vois en plus au loin que ça avait brûlé, hein. Vous souvenez, on avait eu un orage, ça a brûlé, j'espère que ça ira un peu mieux. Normalement oui, mais bon, on ne sait jamais. On va commencer par une première chose, on va défoncer ce trolleybus. Qui, je vous avoue, ne m'a jamais vraiment plu, donc ça me dérange pas trop. Et on va mettre un tram. Alors, pourquoi un tram? Parce que déjà, on va augmenter la capacité, on va passer de 30 à 90 minimum. Parce que vous voyez, ici, on a plein d'attentes. Alors, le plus gros problème, entre guillemets, c'est que, ben, soit ils veulent aller là, soit ils veulent aller par ici. Aller là, c'est pas trop grave en tram. Le plus gros souci, c'est aller ici à travers les trams, mais ça va faire du bruit. Donc, ça va être la grande question. Grande question que l'on va essayer de régler maintenant. Donc, je vais supprimer ça. Je vais dégager... on va déjà supprimer, vous savez quoi? Notre ligne de trolleybus. Ah, quoique, peut-être pas, juste pour au moins faire les arrêts de tram. Alors. Tram, c'est où? C'est ici. Parfait. Alors, on pourrait faire là. Moi, je préférais faire ça genre là. Donc, je vais déplacer ça. Et ouais, j'ose. Je sais. Je suis un fou. Espace déjà occupé. Bon. On va faire ça. D'accord, ça ne veut vraiment pas. On va dégager ces rails-là. Et on va même des rails de tram. Hein. Oh là là, je suis... J'étais pas prêt, hein, je sais pas. Le jeu a pas envie, là. On a de l'argent, on va faire ça, on va dégager, voilà, merci. On va essayer de voir si maintenant... Il a pas envie, mais c'est fou, quoi. Bon. On va voir si on peut le mettre peut-être autre part, genre par ici peut-être. Ok, on va transformer d'abord la route et puis après on verra bien. Alors, on va faire malheureusement ça. J'espère que ça va pas créer trop de problèmes ici. Alors, ça a l'air d'aller. Parfait. Ici, on va lui dire de tourner. Et maintenant, une petite route qui passe à travers tout. Alors oui, ça va faire du... Ça va faire du bruit, donc j'ai un tout petit peu peur. Alors, pour vraiment essayer de garder ce petit style, je vous avoue que je serais même bien tenté de prendre des trams, trouver des trams en fait qui font pas de bruit. Il y en a sûrement dans le workshop, il y a sûrement ça. Voilà, là on va mettre le rail de tram qui traverse. Tout simplement. Et on devrait être bon, non? Alors, ici, on va faire... Alors, la grande question, c'est où est-ce qu'on va mettre, du coup, notre truc de tram? En fait, en vrai, je pourrais le mettre là. En vrai, je pourrais clairement le mettre là. Je vais faire ça. Ok. Et on va commencer par notre petit arrêt là. Tu vas par ici. Alors, je vais essayer de faire les mêmes arrêts que notre cher bus. Et on va voir ce que ça a donné, hein. Parfait. Bon.
Ça, c'est bien. Maintenant, notre ligne de trolleybus, ben, on va la faire partir. C'est triste, je sais, mais c'est comme ça. La bonne nouvelle, du coup, je vais pouvoir changer la route. Et on va pouvoir carrément mettre ces trois voies, route à six voies. Ben, on va déjà faire ça. Ce sera déjà plutôt pas mal. Ici, on va mettre. Alors, on va mettre deux voies, mais on va peut-être transformer presque vers quatre voies. Vers trois voies plutôt. Et voilà. On va lancer, on va voir. Alors, ici. Waouh! Il va falloir qu'il travaille. Ah ouais, attendez. Alors, ce qu'on va faire, hein, ça va être plus rapide. On a un arrêt ici. On va mettre le fait qu'il puisse traverser. C'est un mode qui fait ça. On va. Alors, on va mettre ça ici. Alors, il y a un feu. Je suis pas sûr du feu. Regardez-moi ce monde. What? Ah oui, il y a un deuxième ici. Ok. Ben on va faire un. On va faire un deuxième stop par là. Alors c'est vrai qu'il pourrait traverser ici, mais on peut peut-être mettre genre ici. Voilà. Même chose, je vais enlever le feu. Parfait. Et on a nos premiers trams qui sont partis, non? Alors 5 trams, ça sera clairement pas assez. On va essayer de remédier ça très rapidement. Parce qu'on sait tous que on va avoir beau. What? Attendez. Il y en a un. Il est où le second? Ok, par contre, de nouveau, ça va vraiment pas être assez, hein. On va en mettre quand même un peu plus. Et on va voir ce que ça va donner. Parfait. Ça, je vais laisser faire. Au moins, vous voyez, déjà, ça bloque beaucoup moins, hein. Donc, clairement, il y avait un petit souci ici. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci là aussi, de changement de voie. On va faire un peu ça. Alors oui, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je fasse ça, mais je vous avoue que c'est le. Allez. C'est nécessaire, il faut le faire. Voilà, c'est tout. Il faut le faire. Ici, je vais dire, tu peux changer de bande, donc tout le monde peut aller par là à droite. Voilà, ça va créer un flux. Là, ça se libère. Ici, ça va du coup, j'espère, se libérer petit à petit. Alors ici, ça change de bande, c'est pas très très bien. Moi, j'aimerais que vous changiez de bande plus tôt. Donc, toi, tu vas là, et toi, tu vas là, ou tout droit. Et puis, vous pouvez plus changer de bande, c'est tout. C'est comme ça. Alors, pour faire ça, j'appuie sur CTRL S, si jamais. Voilà, là, ça se libère assez bien. Il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde. Ok, bon, ça c'est fait. On va un peu arrêter de toucher au trafic et on va essayer d'un peu améliorer. On a une demande commerciale, une bonne grosse industrielle plutôt. J'ai envie de faire une zone informatique. De bureau informatique, donc c'est ce qu'on va faire. Alors on peut peut-être faire comme ça ici, voilà, une vallée informatique, je crois que c'était ça. Et dire pop 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 pom, voilà, vallée informatique, parfait. On va prendre une petite route. Alors vous m'avez demandé de changer quelques fois de route. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup de routes, je devrais en changer, mais je sais que ça m'a fait pas mal fait foirer l'autre fois. Surtout pour les lives en fait. On va voir un peu. Est-ce que je connecte à là ou non? Est-ce qu'on met une route qui traverse? Ça pourrait être intéressant d'avoir une route qui traverse.
Ça pourrait être intéressant. On va faire ça. Voilà. Et maintenant, bah écoutez, on va commencer par longer ici. Parfait. Hop là. C'est parti, hein. On part sur du n'importe quoi. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Alors, toute ressemblance avec un dessin animé où il parle anglais n'est pas du tout voulu. Peut-être un peu. Voilà, on connecte un peu en mode YOLO, on va voir un peu ce que ça a donné. Et maintenant, c'est parti pour le remplissage. Voilà. Alors vous entendez souvent mes clics. Je cherche en fait à avoir un nouveau... Ouais. Des nouveaux... Oh, je trouve pas mes mots, je suis désolé. Des nouvelles souris. Une nouvelle souris. Donc on va un peu... Voilà. Je vais en tester quelques-unes parce que j'ai envie d'être sûr qu'il n'y ait pas ce clic, mais aussi que ben, moi je me sente bien avec, hein. C'est bien beau d'avoir... Allez. De plus avoir de clic, mais si c'est pour au final ne pas être en accord avec moi-même, ça servira à rien. Clairement. Alors, vous m'aviez dit, vous vous souvenez en live, ceux qui étaient là en live, on va peut-être faire ici une petite zone quand même pour manger, hein. On va quand même faire une petite zone ici. Hop. Voilà, parfait. Super. Alors où il n'y aura pas beaucoup de choix, hein, ce sera vraiment cette zone-là. On est plutôt bien. Bah, vous savez quoi, on peut même mettre ici le long. Hein. Voilà. Niveau zone, on est assez large, donc ça c'est cool. Et voilà, on va commencer à avoir nos petits gratte-ciel. Et j'ai envie de vous dire, là je crois que je vais faire encore... on va faire des habitations, hein. Comme ça on termine toute la zone. Voilà, ce sera pas mal. Maintenant que j'y pense, voilà, il nous faut de l'eau. Parfait. Hop, et on est bon. Ça c'est bon, on va mettre du coup ici. Hop. Alors l'avantage c'est que ça fait pas de bruit les... Allez, les bureaux, donc on va pouvoir clairement bien s'amuser. Ah, vraiment mettre tout ça l'un contre l'autre. Voilà. Super ça. Maintenant que j'y pense, je mettrais bien un petit parc, un petit truc de parc quelque part. On pourrait faire clairement un parc là. En vrai, j'ai envie de faire un parc où tout autour on n'a que des habitations. Faut qu'on essaie de réfléchir à une zone comme ça. Alors là, je vois qu'on a une future zone d'aéroport. Très intéressant tout ça. Elle a l'air vachement sympathique avec ici des entrées de... Ouais, j'avais pas vu ça. Ça a l'air sympathique. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'on essaie en fait d'amener du monde, mais par ici. Alors peut-être que ça n'arrive pas parce qu'il faut acheter la zone. Je vais acheter cette zone. Je crois qu'on va en avoir besoin. Et j'espère clairement que ça va un peu régler nos problèmes. Donc là, hop, et hop, voilà. Super, on va un peu toucher à ici parce qu'on n'en a plus touché, on n'a plus touché à ça depuis un petit temps. Détail de la ligne. Est-ce que... On a assez de trams. On a assez de trams. On en a peut-être un tout petit peu trop. J'en mettrais bien genre 10. Voilà. 10, ce sera parfait. Ici, ça rentre dans le décor en soi, je trouve. Ça ne dérange pas trop trop sur un coin.
Franchement, ça se passe plutôt bien. Là, ça a l'air intéressant. Il y a l'air d'avoir du monde qui passe par ici. Alors, ce que j'espère juste, c'est que c'est pas juste pour passer par là. Mais entre guillemets, niveau trafic, ça va. Donc, est-ce qu'on va se plaindre? Non. Parfait. On va améliorer un peu notre zone parce qu'elle n'a pas beaucoup évolué. On a toutes nos autres zones là, les trois autres zones qui sont au niveau 5 et celle-là, elle est au niveau 2. Donc c'est pas, je suis pas très fier de moi. Donc c'est parti. On va se lancer, on va agrandir la zone. On va, je crois, tripler ça. Et pour savoir ça, on va calculer la distance qu'on avait mis, hein. Alors la distance, c'est, moi je dirais 9. Donc d'ici, on devrait avoir 9. Ok, on va tester ça et on va voir. Ça a l'air pas mal, hein? Ouais. C'est même très très bien. Voilà. Alors là, j'en avais mis quelques-uns, je les avais collés pour rentrer. Ok. Alors, je vois pas bien la route, donc je sais pas si. Ok, ça va. Ok, est-ce qu'on continue avec les palmiers ou est-ce qu'on change? En vrai, je resterai encore bien avec les palmiers. Juste maintenant. Et ici, on va passer sur une seconde chose. Voilà. Je vais tirer jusqu'au bout, on va voir jusqu'où on peut réellement aller. Hop là. Alors on va changer ça. On va mettre des êtres. Voilà. C'est quoi autre? Ah, aulne, ok. J'ai vu autre, je me dis, attends, c'est quoi autre? Alors est-ce que ça passe ou est-ce que c'est limite? Ouais, ça passe. Bon, ça veut dire qu'on peut en mettre. Moins. Alors, ça change rien, hein. Peu importe ce qu'on met entre guillemets, on peut. Ah ouais, dommage que. En vrai, ça va. Ça va. En vrai, je vous avoue que j'ai envie de continuer, mais carrément jusqu'ici. Vraiment pour que tout soit au même stade, on va dire. Alors par contre, je trouve ça très mal fait, genre on voit vraiment pas bien. Voilà. Encore ici, et puis. Comme ça. Ouais. Génial. On a vraiment cette zone ici qui va être très dense. Très très dense, presque trop dense, dans le sens où je crois que je vais mettre une route. Bon, on va voir comment on va faire, mais je crois qu'il va falloir faire attention. On a ici un équilibrage, ce qui veut dire peut-être qu'on n'utilise pas assez, on n'exploite pas assez ici. On pourrait peut-être, je vais dire ici, je vais faire une route, la route qui. Alors on va peut-être pas la connecter. Et voilà, on est déjà niveau 3. Parfait. Imprimerie. C'est vrai que j'aimerais bien peut-être attendre quand même le niveau, enfin le niveau 5 pour vraiment tout re-bien, bien tout refaire. Mais on va devoir remplir ici notre cour à bois. Alors, c'est ici grande cour à bois, donc on peut peut-être déjà remplir. Et une faute de l'eau. Ok. On va tout tirer parce qu'on aura de toute façon besoin. Génial. Alors, est-ce qu'ils se plaignent niveau bruit? Ça n'a pas l'air, hein. Ici, ça a l'air de bien se passer. J'avais un peu peur, voyez, niveau bruit avec les trams et tout, mais ça va. Bon, ici, il y a un peu de monde. Il y a quand même pas mal de trafic.
C'est vrai qu'on pourrait empêcher de... On va faire ça, on va empêcher dans cette zone. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Académie des arts, d'accord. Alors. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, on va dire que sur cette zone-là, ben, je veux pas que ici dedans, les camions passent. Parce qu'ils vont, bah, évidemment, ils vont passer, par les chemins les plus rapides, mais c'est pas la meilleure des choses, quoi. Ok, ça c'est bon. Parfait. Et ici, je vais dire politique, imposition, connexion sortante, interdiction de trafic chargé. Donc, vous voyez. Interdisez le trafic intense dans une zone, assurez-vous que les routes alternatives existent, blablabla. Aucun véhicule de transport lourd autorisé et n'affecte pas les autoroutes. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire, les camions, vous venez pas ici. Et on a bien raison parce qu'en fait on n'a aucun bâtiment commercial, donc c'est pas trop grave. Et du coup ça nous permettra de plus avoir genre... Alors là on a que des véhicules, mais... Ne plus avoir de camions. Peut-être que ça, c'était une mauvaise idée, hein. Clairement, je vous avoue que je suis en train de me demander si c'est une bonne ou une mauvaise idée, parce qu'on a créé des grands axes, c'est pas pour rien. Mais je vous avoue que pour le moment, ben, comme ça va bien pour le moment, bah, on va pas trop s'en plaindre. Par contre, ce que j'ai quand même envie de me plaindre, c'est peut-être d'un peu ça, hein. Et là, on va permettre de peut-être tourner. On va une fois voir. Est-ce que j'ai dit de forcer le passage? Ouais. On va lui dire peut-être de pas trop forcer. Mais en vrai, on est déjà bien. Hein. Ici, ça se remplit fortement. Ah, zut. J'ai pas connecté. Voilà. On a beaucoup de bruit, mais je crois que c'est du bruit qui vient d'ici. Voilà. On a beaucoup de passages. Trop peut-être de passages. Mais on réglera ça au prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et nous, bah, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!